Attention les amis, vous êtes bien sur l'épisode 2 du Plectrum sur Zelda Ocarina of Time. Mais une information très importante va être divulguée. Signé, le petit chipmunk de Nicolas. Salut, c'est Nicolas 999, donc comme vous avez pu l'entendre, une information importante va être dite. Donc en fait, je vous explique. Ça va être une petite information importante, très rapide, qui va expliquer pourquoi j'ai commencé un playthrough comme ça, d'un coup sec. Donc c'est tout simple. J'ai complètement craqué. Je fais du grand n'importe quoi avec ce que j'avais prévu sur le lancement de la chaîne partie 5. Je m'ennuyais, j'avais envie de faire une vidéo, je bloquais sur la surprise. Je me suis dit, je vais pas vous laisser sans vidéo comme ça. Ah, je vois que Max, The Max est connecté. Je vais me mettre en occuper 2 secondes pour éviter. Bon, voilà, il vient de m'envoyer un message. Hop, ne pas déranger, je lui envoie un message. Je suis en vidéo. Désolé, hein, c'est de l'improviste. Hop là. Désolé, voilà. Donc voilà, donc j'ai totalement craqué, je m'ennuyais, je n'allais pas vous laisser sans vidéo comme ça. J'avais installé un émulateur qui me permettait de jouer au vieux jeu gratuitement, je précise gratuitement, gratuitement, mais sans, facilement, donc au vieux jeu. J'ai vu Zelda, je me suis dit qu'il y en avait qui aimaient Zelda. The Max aimait Zelda, Maloud aimait Zelda, je me suis dit, allez, je me lance dans un playthrough, en plus dans la vidéo sur Super Smash Bros, j'avais dit que j'allais faire un playthrough. Donc voilà, je me suis lancé dans ça. Vous inquiétez pas, hein, je vais continuer la surprise, mais je ne ferai aucune vidéo à part ça. C'est-à-dire que là, c'est l'épisode 2. Je ferai que les vidéos d'épisode, je n'en ferai aucune autre. C'est-à-dire que tous les week-ends, environ 40-35 minutes, je ferai un épisode, mais il n'y aura que ça. Et quand il y aura des nouveaux épisodes, ça veut dire que la surprise aura été sortie. C'est-à-dire que la surprise sera sortie, je recommencerai à faire des manières de survie, tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo, une petite information. Voilà, une petite information qui a duré quand même 1 minute. Voilà, donc je vais vous laisser sur l'épisode. Là, normalement, il devrait commencer tout de suite, juste après cette information. Et donc, allez voir tous mes liens qu'il y a sur ma chaîne YouTube, c'est important. Le forum, le site officiel, mon Battlelog, mon PSN, mon Twitter. Et puis, il y en a plein d'autres. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et puis à tout de suite sur la vidéo. Salut, c'est Nicolas 999, donc on se retrouve pour la vidéo de l'épisode 2 du playthrough sur Zelda Ocarina of Time. Donc on commence. Voilà, on commence. C'est parti. Donc vous avez pu entendre la petite intro... Attendez, je vais baisser le son de mon casque. Vous avez pu entendre la petite intro que je vous ai faite... Là, il y a 2 secondes. Donc en fait, finalement, dans l'intro que j'avais dit que j'allais faire des vidéos de 35-40 minutes, celle-là, je vais faire une petite vidéo je vous mets quoi. Allez, 15 à 20 minutes, parce que j'ai quand même beaucoup de montage à faire et j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc je voulais retourner en arrière, parce que là, on est dans l'arbre Mojo, comme vous avez pu le vous en apercevoir, voilà, on le voit. Pour voir ce qu'elle en est, la fille, là. Alors, il faut que je me rappelle des touches. Ok, pour sauter, c'est automatique. Je voulais voir ce qu'elle en était, la fille qui nous avait dit je t'attends ici, parce qu'il me semble que j'ai oublié de lui parler. Je vais me faire tuer, moi. Ils m'ont fait peur la dernière fois, ce truc-là. Donc, apparemment, j'ai reçu beaucoup de conseils de vous, et apparemment, quand ils tournent, comme ça, voilà. Quand ils tournent comme ça, voilà comme ça, il faut pas les attaquer en sautant. Sinon, ça nous fait des dégâts. Non, le bâton! Oh, bah, je l'ai raté. Sinon, ça nous fait des dégâts. Apparemment. Voilà, on est tranquille. Donc, j'ai reçu beaucoup de conseils de vous. Comme quoi, je disais Lynx à la place de Link. Excusez-moi, je n'ai jamais fait le jeu. Donc, faut me conseiller comme ça, c'est très bien. Donc, apparemment, on dit Link et pas Lynx. Donc il faudrait que j'économise mes bombes quand j'en aurai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je crois que c'était à peu près tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, la petite fille. Le petit... Bon, je sais pas. Monsieur dame. Va t'acheter un bouclier à la boutique Okiré. Ah, donc j'avais raison de m'acheter le bouclier. Mais pour l'épée, cherche bien dans un coin du village. Ah, super. Moi finalement, si j'avais été la voir,
j'en suis tout de suite. Bon, on y va. On part pour notre premier donjon, oui, je crois, donjon. Ou quête. Donc on y retourne. Je sais pas quand j'ai commencé. Voilà, il est 44, on va dire qu'il y a... 55. Ou à 13h, voilà. Puisque j'ai commencé la vidéo à midi, ouais, j'ai faim. Donc à 13h, bah on... Ouh, il m'a encore fait peur. Pas ces trucs là. Hein. Et j'ai remarqué aussi que... Faudra que vous me rappeliez... Quelle est la sortie le premier, Mario ou Link? Parce que dans Mario il y a des plantes carnivores, dans Zelda il y a des plantes carnivores. Je sais que c'est la même console, mais c'est pas le même éditeur. Donc il y a quelqu'un qui a plagié l'autre. Donc voilà, on rentre dans l'arbre Mojo. Il y en a qui avaient aimé quand je disais ça. Apparemment je vois la carte. Ok. Ouais, c'est quoi ça? Eh, ça faisait pas ça la dernière fois. Oh, j'ai remarqué aussi qu'on pouvait se protéger. Voilà, comme ça, on peut se protéger. Ok, elle m'a attaqué. Ok, donc il faut attendre qu'elle m'attaque. D'accord. On récupère un petit cœur. Ah, super, du cœur. Ok, ok. Bon, je commence tranquillement la vidéo. Hein. On va pas se passer. Ah, elle a deux barres de vie celle-là. Je vais mourir. Ah, c'est quoi? Attendez, je vais voir l'inventaire. C'est quoi ce que j'ai ramassé? Des noix. J'en ai 15. C'est pas possible. Et c'est quoi ça? La carte du donjon. Oula. J'ai pas récupéré celle-là. Bon, j'ai dû la récupérer dans un épisode, vous me direz. Hein. Sans m'en rendre compte. Ok, bon, bah voilà. C'est ces touches-là. Mais je vais finir par mourir, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais aller là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais pas. On verra bien, on verra bien. Je vais commencer par là. Hein. Voilà. Oh non, 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 non. Oh, j'en ai marre de tomber pour rien. Bon, cette fois-ci, on va aller par là. Ça revenait au même. Bon, d'accord. Par contre, je vais aller chercher l'item qui est là-bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait un item. Un cœur, d'accord. Ah, vous êtes marrant, je fais comment? Vous êtes marrant, je fais comment pour le récupérer, moi? Kamikaze! Apparemment, ça bouge quand je saute dessus, donc à mon avis. Ce que je vais devoir faire, pardon, ce que je vais devoir faire, c'est aller en hauteur et essayer de le casser. Parce que là, j'ai vu qu'on pouvait sauter, mais non, non. Oh, je me trompe à chaque fois de bouton. Non. J'ai du mal avec la maniabilité sur l'émulateur. Parce qu'en fait, là, je suis sur W S C et X. Donc c'est pas les W les Q S D S Q S D. Donc j'ai pas l'habitude. Voilà. Ok, on y va. Il y a un coffre qui est ouvert. D'accord, s'il veut. À mon avis, il devait y avoir un truc dans le coffre, mais j'ai dû l'ouvrir à un moment, vous me direz. Hein. Je sais plus, peut-être la vidéo dernière, j'ai dû l'ouvrir parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me rappelle plus. Noix de coco. Noix de mojo. Noix de mojo. Noix de coco.
Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est censé me servir à quelque chose? Moi je sais pas. Par contre... Ah, il y a un truc là-bas. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. D'accord. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. D'accord. Ok. Ah, je suis enfermé. Oh, c'est quoi ça? Ah! Il fait quoi? Il fait quoi? Je dois faire quoi? Un mini boss. Non. Oh, je l'ai esquivé. C'est un mini boss. Ok, là je dois l'attaquer à mon avis. On va faire ça. Non. J'ai raté. Oh non! Oh, j'ai de la chance. Ok, ok. Ok. Oui, 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 pardon, seigneur. Je te donne un indice et tu me laisses partir. Ah, je pouvais lui parler. Ok, bah j'aurais pas dû le taper alors. Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le pad en avant pour faire une roulade. Et ainsi amortis ta chute. D'accord. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Ok. Essaie quand même. Ah ok. J'ai un cœur. Super. Comment ça faire une roulade? Comment je fais? Ok, la roulade, d'accord. Oula, non! C'était quoi ça? C'est quoi ce donjon de fou? Non, je veux pas faire ça. Eh, franchement, ils veulent me tuer ici. Hein. Bon, ça doit pas être très amusant pour vous, cette session-là. Parce que je suis plus en mode exploration que délire. Parce que avouez, c'était quand même un petit peu du délire dans notre. Oh lol. À lance-pierre. À lance-pierre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Appuie sur OK pour brandir. Et maintien OK pour relâcher. Puis tire. Une des graines de Mojo. OK, des graines. Des graines. Normal. Si vous désirez tirer très vite, appuyez sur OK, OK, plus longtemps et préparez une graine. OK. Comment je fais? Inventaire. OK. Lance-pierre. Comment je fais pour m'amuser avec? Il y a sûrement un moyen de... Ah, il y a un petit truc là. Qu'est-ce que c'est? Sac de graines. OK. Mais comment je m'en sers? Non. Il y a sûrement un moyen de l'activer. Non. Désolé, hein, j'essaie de savoir comment ça marche. Comment je fais? Pas m'en servir. Je peux pas apparemment choisir. Faudrait que je puisse enlever un truc. Comment je fais pour enlever? Ah, pour équiper, mais je suis déjà équipé. Ah, peut-être le sac de graines.
Et comment j'ai fait pour déséquiper? Je sais pas si ça se dit, mais... Non. Il y a sûrement un petit bouton quelque part. Je vais essayer de pas couper la vidéo. Mais ça se trouve, c'est le bouton pour couper la vidéo, quoi. Je sais même pas. Les flèches pour équiper. Mais quelle flèche? Ils mettent des flèches. Et... Si quelqu'un a une solution pour ça, moi je vois vraiment pas, parce que comme je suis sur émulateur, c'est pas du tout les mêmes commandes. Donc je vais essayer à peu près tous les boutons, hein. Sauf le bouton pour couper la vidéo. Hop. Je sais vraiment pas. C'est embêtant. Parce que là, je vois, ils mettent les flèches. Je vais montrer avec la souris. Ici, ils mettent des flèches pour équiper. Gauche, droite, hop, hop. Mais je j'ai pas les flèches. Non. SOS. Peut-être. Aidez-moi. Au secours. Pavé numérique. Moi, je sais pas. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en plein écran. Ok, super. J'espère que ça n'a pas fait planter la capture. Le jeu? Oh. Le jeu ne répond plus. SOS. Donc, voilà les amis. Donc, en fait, le jeu a totalement planté. Comme vous avez pu l'entendre. SOS. Voilà, parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo. Pour voir où j'en étais. Donc, en fait, j'ai réussi à régler le... Comme vous pouvez le voir, le lance, le pierre. Là, je peux l'activer. Voilà, vous voyez, je l'ai activé. Par contre, comment tirer, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai activé le lance pierre. Je crois que c'est pas le même bouton. Ok, bah, c'est pas ça. Ah, voilà, le lance-pierre. J'ai réussi à activer le lance pierre. Donc, en fait, voilà, comme vous pouvez le voir, fallait que je règle le pavé numérique, donc c'est à dire mes touches, pour pouvoir accéder à la chose en elle même donc j'ai sauté. Donc, j'ai eu des gros coups de lag, hein. Non, pourquoi j'ai sauté? J'ai eu des gros bugs, hein, avant de pouvoir revenir où j'en étais. Donc en même temps, j'en ai profité pour chercher sur internet. Donc fallait juste simplement régler mes touches pour pouvoir accéder aux flèches. Donc je vais tirer sur... Oh, mais non! Oh, regardez! Il n'y a même pas de truc qui s'accroche. Ah non. Ah si, regardez! Ah, c'est drôle. C'est un bug. Donc, en fait, j'ai mis un bon petit bout de temps avant de réussir à retrouver la chose. Ah, je vais avoir un tas de montage à faire, vous n'imaginez même pas. Donc, je vais utiliser le lance-pierre. Donc, apparemment, c'est inversé. Et je vais tirer là-dessus. Non. 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 C'est en même temps, c'est la même touche. Ok. Donc ça ne fait rien. D'accord. D'accord. Donc je vais tirer là-dessus parce que ça m'intrigue un peu. Non, sur la flèche alors. Puisqu'il me met. Parce que je sais pas du tout comment aller remonter là-haut. Ah voilà, j'en étais sûr qu'il y avait un truc dans le genre. Voilà, parce que j'arrivais pas du tout à remonter là-haut. J'ai joué un petit peu, hein, quand ça a planté. J'ai cru que ça avait redémarré correctement. Je joue un petit peu, j'ai papoté avec vous. Moi, j'ai rien d'intéressant, comme d'habitude. Donc, en fait, vous avez rien perdu, vous inquiétez pas. Par contre, je vais devoir bientôt couper parce que, résultat, moi j'ai fait une vidéo. Vous avez une vidéo pas trop longue, mais moi je vais bientôt devoir y aller. Je suis désolé, j'ai un rendez-vous important. Bam! Oh, je t'ai dosé! C'est pas grave pour les... Ah, si, c'est grave pour les rubis. Je suis ouf, moi. Je suis pas bien dans la tête, hein. Mais allô, quoi. Non, je déconne. Donc, ce petit lance-plaire... Le lance-plaire! Donc, ce petit lance-pierre... Il est super, hein. Pour l'époque, à mon avis, ça devait être super d'avoir une vue à la première personne, comme ça. Bon, allez,
Voilà. Oh, t'es moche. Donc, on va arriver à la... Quand on arrivera à la deuxième salle, qui doit être là-haut, ouais. Et bah, je crois que je vous laisserai, ou quoi. Il me reste encore, allez. Je vais pas vous laisser maintenant, je vais encore jouer un petit peu avec vous. Parce que moi, j'aime ça, jouer avec vous. Et puis, j'avais envie de jouer à Zelda, et puis finalement, bah, j'ai pas pu y jouer, puisque je ne vais pas avancer le playthrough sans vous. Ça se fait pas. Je vais aller par là. Apparemment, je... Oh, elle m'a fait peur. Ah, c'est quoi ce truc? C'est moche. C'est quoi ça? Ah, oh, t'es moche. Oh, je suis un fourbe. Ah, elle a esquivé. Ça non, ça m'a fait peur. Oh non, lance-pierre. Ça marche pas. Non, t'en vas pas. Je te provoque en duel. Non. Oh, t'es moche. Ok, elle a une carapace. Ok, c'est bon. Je crois qu'il faut que je l'attaque de dos. Je vais la secouer un petit peu. Oh, c'est moche. Là. Voilà. Encore une fois. Allez, 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 allez. Allez, ouais. Voilà, super. Oh, ce combat, comme il était épique. Je vois là-bas une... un réceptacle de cœur. Ok, je sais ce que je dois faire. Je vais vérifier s'il n'y a pas des petits coffres. Il y a une porte. Oh, non, pas lui. Ouf, pas parler. Ça a l'air d'être une salle assez spéciale. Ok, c'est un tempo. Tempo, c'est-à-dire qu'il y a du temps. Ok. Bon bah les amis, désolé pour cette vidéo assez courte. Hein, je sais pas où je... Ouais bah je vais devoir y aller, tiens, voilà. Donc désolé pour cette vidéo assez courte. Vous inquiétez pas, hein, je vous en ferai une demain, tiens, puisque comme je me suis puni moi-même. Enfin, c'est pas vraiment une punition, hein, parce que ça m'amuse de faire ça. Mais voilà, donc, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pause. Donc voilà, je me suis puni moi-même. Pour me faire pardonner, je vous ferai une vidéo demain aussi. Donc à mon avis, elle doit faire 15 minutes, cette vidéo, elle était pas très très longue. Mais c'est pas grave, moi je m'amuse avec vous. Donc, désolé par la petite vidéo, hein, mais... Voilà, donc, je vais sauvegarder ici, parce que j'ai sauvegardé... Voilà, donc voilà, donc bah je vais vous laisser là les amis. Donc bah je vous dis à plus les amis et puis salut.